bonjour à tous et à toutes, c'est Ashti, mais aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo très très spéciale concernant les 100 abonnés. Et cette fois-ci, je parlerai des projets futurs à ma chaîne. Alors tout d'abord, je suis désolé de que la vidéo arrive un peu tard. Simplement parce que j'ai dû la retourner suite à des changements un peu... Ouais, j'ai dû faire quelques changements dans mon discours en fait. Et puis aussi parce qu'en ce moment, je n'ai pas tellement de temps. Vous voyez, bac, faut réviser et tout. Puis moi, j'ai envie d'avoir mon bac. Donc, je commence à réviser. Puis, voilà. Donc, il y a des moments où je ne serai pas très présent aussi. Je regarde quasiment plus de vidéos de personnes que je suis. J'ai pas le temps, tout simplement. Je vais essayer de les suivre, mais je ne garantis rien. Alors, bon, voilà. Enfin, ça, c'était une petite ouverture. Enfin, petite intro, on va dire. Du fait que, je ne suis pas souvent là. Puis là, on va continuer donc notre série de mini-jeux. On s'est arrêté à Pichu Uyui sur Pokémon Stadium 2, je rappelle. Attendez, il y a un bug de frame au passage, mais c'est pas grave. Et puis, je pense que, je vais continuer. Aussi, je vais essayer de parler un peu des projets pendant la vidéo, parce que 20 minutes, c'est un peu beaucoup. Et puis, quand j'ai vu que j'avais... C'est pas la première fois que je fais la vidéo. Ça fait aussi 20 minutes, donc je pense que je vais essayer de parler un peu pendant que je fais les jeux. Alors, c'est parti. Donc, on incarne un Donphan Lamasse. Utilisez la manette, pour courir autour du circuit. Premier à faire 9 tours et le vainqueur. Puis, ce bouton pour laisser un nuage. 3 nuages par tour. Ah, c'est pas, c'est une sorte de mini Mario Kart, vous aurez compris, que je n'apprécie pas énormément. Enfin, c'est pas très maniable. C'est pas... Ouais, parce que les déplacements sont plutôt brusques. Voilà, mange. Vous avez compris, donc les tornades, ça sert... C'est un peu comme les carapaces dans Mario, si vous voulez, dans les bananes, plutôt. Parce que ça reste assez mobile. Vous avez compris, c'est assez fun, mais c'est pas très maniable. Sachant que les deux premiers tests que j'ai fait, je suis arrivé dernier. Voilà, je m'en sors vraiment bien. C'est étrange, d'ailleurs. Et puis, donc, je pense que je vais commencer... Oh, putain, il m'a dit... Ah, putain. Je vais commencer à parler des trucs avec, donc... Putain. Me faire ramasser la gueule. Avec, donc... qu'est-ce que je voulais dire? Oh, putain, j'aurais même pas parlé pendant que je joue. Ah oui, je vais commencer par, je pense... l'information la plus importante qui concerne donc les différentes associations peut-être que je pourrais faire, enfin intégration communautaire, appelez ça comme vous voulez. Alors je pense que j'ai pas été le seul à recevoir un message privé sur YouTube de la chaîne FR Gaming Zone, si je ne me trompe pas. Donc ça c'était une bourde du modérateur, enfin parce qu'en fait tout le monde a reçu un message à peu près identique, donc ça c'était pas très plaisant forcément, mais ça c'était une bourde du modérateur. Et puis j'ai parlé un peu avec admin en question, et puis je pense de négocier un peu parce que ça m'intéresserait quelque part aussi, et ça les intéresse donc que je mette certaines de mes vidéos concernant des let's play de RPG surtout, puisqu'ils sont plutôt axés RPG. Sur leur chaîne, sachant que eux ils cherchent aussi un peu comme moi la communauté, enfin l'esprit plutôt communautaire en faisant partager donc à un public assez varié différentes vidéos. Et puis je pense que rapporter un let's play Pokémon ou Paper Mario, ça ne pourra que les aider je pense dans cette tâche. Donc voilà, donc attendez-vous à voir dans les quelques semaines ou mois, non peut-être pas mois. Semaine à venir, peut-être des vidéos annonçant peut-être une association quelconque. Je ne suis pas encore décidé, mais je pense que ça sera bien parti. Et aussi peut-être, je pense aussi Gear Network, que je vais y réfléchir sérieusement. Parce que je vois plusieurs des youtubeurs que je suis comme Taker au Caillon qui y vont petit à petit. Et puis que j'ai visité, puis je trouve ça vraiment pas mal, un terrain un peu de... Pas de professionnaliser, mais de... Pas de donner aux chaînes YouTube un aspect un peu plus... aux émissions, enfin l'aspect des émissions par exemple. Je pense que beaucoup connaissent Gear Network, mais c'est un exemple que moi j'aime bien, j'ai bien aimé, c'est que... On ne suit pas forcément YouTubeur, mais on suit plutôt ses émissions. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu un programme à la carte qui donne plus de liberté aux spectateurs, mais aussi qui permet aux vidéastes aussi de voir où va son audience, parce que les vues et les commentaires, ce n'est pas forcément très représentatif, donc voilà. Et puis je sais pas, ça me plaît bien aussi, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire on fait partager plus de vidéos possible, enfin voilà. Donc attendez-vous aussi à avoir une vidéo bientôt, je mettrai... Par contre ça, je vais pas mettre en public la vidéo, mais attendez-vous à avoir peut-être une vidéo...
annonce Gear Network. Bref, donc je vais continuer tout de suite, hein. Avec le deuxième jeu qui est Compteur Bonheur, puis là je pense pas que je vais pouvoir parler parce que c'est un jeu qui demande énormément de concentration. Alors j'incarne un Méo qui s'appelle Méo. Bon, on zappe un peu et bon, il est pseudo un peu débile, mais bon, c'est pas grave. Appuyez sur le bouton A et comptez les Pokémon qui passent. Il y a 5 épreuves, rapprochez-vous de la bonne réponse tout de même pour gagner des points. En gros, vous l'avez compris, il faut compter le nombre juste de Pokémon qui passent. Et puis ça en a pas comme ça, mais au bout d'un moment ça devient assez compliqué. Donc là, faut compter les Pichu qui passent. Puis on appuie sur eux, buzzer. Ah, déjà qu'eux, ils ont 8, 9. Donc, bon, bah, je pense que c'est ça. Et puis, bah, je pense que je vais pouvoir commencer à parler des Let's Play à proprement parler. Donc, des vidéos qui intéressent le plus, je pense. Bon, là, je vais compter les magma, hein, parce que, bon, j'ai un moyen de gagner quand même. Vu après ma prestation assez ridicule à course trompeuse, je vais essayer de me rattraper. Avec un jeu un peu plus intellectuel, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Paper Mario. Donc, je vais commencer par Paper Mario. Alors, je sais que c'est pas le Let's Play le plus suivi. Enfin, c'est... j'ai pas un succès... Oh, putain. Ouais, deux. Oh, putain, saloperie, j'arrive pas à les compter. On va dire ça, voilà, si tu veux. Bon, bref, laisse tomber. Et puis, ah ouais, merde, 25, ça a l'air un peu beaucoup. 24 ? Oh yeah. Ouais, j'ai fait complètement au pif, là, je vous avoue. Bon, j'en parlerai après, parce que là, c'est assez compliqué. Il faut compter Pikachu. Bon, ça, c'est plus simple, je trouve. Ça va moins vite. 7. Bon, 7. Puis, Paper Mario, ce n'est pas l'expert le plus suivi, je sais bien, mais je tiens à commencer par lui. Tout simplement parce que... Bon, parfait. Tout simplement parce que, bah... J'ai envie de compter... Oh, putain. Oh là là, bon. Oh là là, ouah putain. Ça va faire 35. Voilà, bon, ça doit être ça. Voilà. Et puis donc, bon, j'ai fait combien de pif, je vous avoue. Et puis Paper Mario, tout simplement, parce que bah, c'est pas les trucs plus suivis. Et puis moi, enfin, je continue cette espèce tout simplement parce que je prends du plaisir moi-même à y jouer. Je vous assure que je finirai ce Let's Play. Ouais, j'ai gagné. Enfin, l'autre aussi, mais je m'en fous. J'ai gagné. Non, plus sérieusement. Je sais que Paper Mario n'est pas suivi, mais je prends du plaisir, comme je l'ai dit, enfin, comme j'essaie de dire à chaque fois, à faire ce Let's Play. Donc, bah, je continue. Je sais qu'il y a deux... Même, je sais que les commentaires, ce n'est pas forcément représentatif du, des personnes qui nous suivent, même si ça aide, hein, je vous avoue que voir un commentaire, ça m'aide vraiment. Puis ça fait plaisir, hein, bien entendu, de savoir qu'il y a vraiment quelqu'un qui se met, mais je considère un peu, si vous voulez, que les vues aussi, ça représente des personnes qui auraient vu entièrement une vidéo, et pas forcément des likes ou des commentaires, ou, enfin bref. Donc Paper Mario, je continue, je vais finir, enfin là, j'ai quand même bien avancé, il doit me rester à peu près une dizaine d'épisodes, une quinzaine d'épisodes à mettre en ligne. J'ai pas fini de tourner, mais j'en suis pas loin non plus. Donc voilà, et puis bah, je pense qu'à un moment viendra le sondage qui remplacera Paper Mario. Puis bah, si vous avez des suggestions de jeux, n'hésitez pas. Jeux d'action en priorité, enfin jeux d'action, un truc qui bouge, pas RPG quoi de préférence. Et puis pas de licence Mario non plus. Et puis bah voilà, enfin si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, sachant que je peux aller jusqu'à la GameCube niveau console. Donc voilà, n'hésitez pas désormais à me demander des questions sur ce que je pourrais faire, n'hésitez pas. Donc, on va commencer avec le troisième jeu qui est Speedy Togepi. TOGG. Courez vers le bord utilisant le stick pour éviter les obstacles. Courez sur une flèche pour accélérer. Vous pouvez sauter par-dessus le bûche, mais vous retirez. Le premier à arriver remporte la victoire. Oh, la course monstrueuse. Donc là, je pense que je vais pouvoir parler plus tranquillement, donc. Parce que bon, c'est un jeu de course banal, hein. Oh putain, bon. Je suis ramassé. Je pourrais parler de Pokémon Rouge. Alors Pokémon Rouge, je pense que c'est l'émission enfin qui a le plus de succès sur ma chaîne, hein, ça me paraît un peu logique en même temps. Et puis bah Pokémon. Alors la vidéo normalement arrivera après le dernier épisode de Pokémon Rouge Feu. Donc j'estime pour ma part que ce premier XP pour moi parce que j'ai fini. Le premier XP que j'ai fini aura été une. Bon j'ai perdu mais je m'en fous. Aurait été une réussite. Ça aurait été une réussite, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent, en plus moi j'ai pris du plaisir à tourner, enfin voilà quoi, tout est bien qui finit bien. Et puis bah je vais continuer sur Pokémon simplement parce que je sais que Pokémon c'est un peu ma... C'est un peu mon audience principale, un peu j'ai commencé par Pokémon.
Et puis bah je pense que je vais enchaîner Let's Play sur Pokémon. Enfin à un moment, je sais bien qu'à un moment dans le futur je vais changer, mais pour le moment je tiens à rester sur Pokémon. Alors bon bah vous aurez un bonus par rapport à ceux qui ne regardaient pas les vidéos. Pour le prochain Let's Play, je vous annonce que ce sera un Nuzlocke Challenge. Ce sera un inventeur Pokémon. Un Nuzlocke Challenge, je ne dis pas encore quelle version. Mais voilà, voilà, donc bah voilà. Donc, 4 oiseaux de Noël, 4ème jeu, au jacquard Nozozio, remplissez les sacs de 1 à 5 cadeaux avec le stick et apportez-le en haut d'écran, gagnez des points. En gros, vous avez compris, on peut faire des chaînes aussi de cadeaux. En gros, faut ramener des cadeaux, c'est moi, putain, connard, oh putain. Putain, ma voix est piano, waouh. Oh putain, la bague. Oh, oh putain, je fais vraiment une vraie douille, d'obas jeu. On va se faire niquer par les marques à crin. Ouais, bien fait pour ta gueule. Bon, de préférence, j'essaie de faire des combos de préférence. Ouais, passe-moi la Game Boy. Allez. Non, putain, mais c'est pas les bonbons, ils servent à rien, les bonbons. Ouais. Le piano, pourquoi j'ai pris un bonbon alors qu'il y a un piano, quoi. Merde. Bon, voilà. Je ramène ça. Doucement. Doucement. Ah, j'ai plus rien. Oh, la douille. Parce que je m'étais jamais fait frapper comme ça avant. Oh, 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 putain, c'est un vrai massacre, ce jeu. Oh, putain. J'aime pas les cas d'oiseaux. J'aime pas les marques à crin, je déteste. Bon, ouais, bon, j'ai perdu, hein, je pense. Hein. Bon, pour l'honneur. Ouais, voilà, bon, bref. Bon, bref, j'ai encore perdu, mais ce n'est pas grave. Enfin, avant tout, c'est de jouer pour le fun. Donc, vous aurez compris pourquoi j'ai fait des mini-jeux. Je ne tiens pas absolument à gagner. Et plus, à vous faire découvrir donc ces mini-jeux qui m'ont fait plaisir quand j'étais gamin, quoi. Et puis donc je vais parler des autres projets. Alors, je vais commencer par un match Pokémon vu que Seigneur Dieu, j'ai une connexion internet en ça, c'est pour ça que je vais faire la vidéo. J'ai une connexion internet, c'est magnifique, c'est splendide, c'est waouh. Donc du coup ce que je peux faire, c'est que je peux faire des matchs sur Pokémon Online, je peux sauvegarder des logs, je peux faire plein de trucs, c'est magnifique. Je pourrais aussi désormais faire des combats commentés via Skype. J'en avais fait un, j'en ai plus refait depuis parce que ça a coupé. Mais je trouvais que c'était assez intéressant avec l'autre partie, enfin l'autre adversaire derrière qui commente aussi ce qu'il fait, ça peut être sympa. Je trouve ça vraiment sympa perso. Puis un peu étroit qu'on peut s'acheter, enfin voilà, un truc bien marrant quoi. Et puis aussi, bah, match Pokémon, j'aurai peut-être des matchs cartouches si j'arrive à récupérer une DS correcte, pas fondue en deux. Et si j'arrive à transférer sur une cartouche, sur mon Yanker des Team Pokémon, peut-être j'aurai des matchs cartouches. Je ne vous garantis pas 100%, mais j'en aurai. Et aussi, je pense que... Bah, j'en avais parlé à Taker une fois, mais je vais enfin, je vais lui redemander parce que ça fait pas mal de temps. Je pense que je vais reprendre son Subscriber Challenge. Enfin, j'en parlerai plus tard, je pense. Enfin, je vais en parler maintenant, tiens. Subscriber Challenge, le principe, vous me donnez une team Pokémon. Que vous fassiez de la stratégie ou pas, j'en ai absolument rien à faire. Du moment que vous respectez certaines règles que je préciserai, donc par exemple, pas de Pokémon catégorisé, classé en Uber catégorisé, putain. Classé en Uber, enfin bref, je détaillerai les règles plus tard. Et puis bah voilà, je me démerde avec cette team pour faire des victoires, et puis voilà, bah, je commenterai en direct, et puis bon, bah ça peut être sympa. Taker avait lâché le projet, et puis je lui avais demandé une fois, il m'a dit d'accord, donc je pense que je lui redemanderai avant quand même, vu que c'est un peu son idée, je pense, et puis bah voilà. Donc voilà, match Pokémon, vous en aurez plein, je vous promets. Donc, cinquième jeu, F secours, ramassez les œufs, utilisez le bouton R pour bouger, éviter votre tour, vous perdez des œufs. Ah, ce jeu est assez sympa, en plus je m'en sors bien d'habitude. C'est juste LR, ouais, c'est ça LR, ouais, voilà, c'est bon. En gros, un must des œufs, donc on a le carnet le Vénard. Le Vénard, ah oui, aussi en parlant de Vénard, je devrais mettre bientôt sur la chaîne une vidéo assez fun. Sur Pokémon en chose, je n'en ai pas plus, mais il y aura le Vénard dessus. Enfin, ça m'aidera un peu stratégie aussi, enfin, ça pourrait... Les stratégiques trouveront ça très très drôle, je pense, les autres, je ne sais pas, peut-être. Les stratégiques trouveront ça très très drôle, je pense. La vidéo durera 2-3 minutes, c'est un petit clip bidon. Moi franchement ça m'a fait... Bon, j'ai mis un peu de temps à tourner la vidéo parce que bon, fallait tomber sur mon Vénard. Enfin bon, j'en dis pas plus. Et puis bah voilà voilà. Donc bah vidéo bientôt, on prend part avec Vénard. Et sur ce bah je continue de jouer parce que là pour moi je fais un perfect. Je m'en sors même très bien ce jeu. Mais bon, j'essaie de faire un perfect, hein. Je m'arrête toujours à 95, un truc comme ça. En général je me ramasse pas des voteurs dans la gueule, attention.
Mais c'est que je manque des œufs des fois. Ouais, non, non. Voilà, 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 voilà. Super le vénère. Ouais putain. Ouais putain. Attendez. Ah merde. Putain, j'appuie sur une touche, je suis. Bon bah je peux m'arrêter à 99, hein, j'espère que ça le fera. Alors bon bah je pense que j'ai gagné, hein. Enfin, sauf si je me prends 10 voteurs bah, à la suite, ce qui m'étonnerait pas mal. Bon, 98 je pense. Si je ne me foire pas à la fin. Eh oui. Bon ça c'est mon meilleur score, il me semble, donc voilà. Je m'en sors bien. Et le Vénard qui balance ses oeufs à la mer, évidemment, pour comme quoi t'as fait tout ça pour rien. Hein. J'en ai rien à foutre de mes bébés, et puis voilà. Donc, c'est sûr, j'aime bien un peu cette ambiance, ascenseur, musique. J'aurais dû faire ça la première vidéo aussi. Je vous en ai remarqué aussi que j'ai baissé un peu le son parce que la première fois je me suis assourdi complètement. Ouais, ça va mieux, mais bon, je préfère. Que je puisse m'entendre de préférence. Ça m'éviterait de crier. Et donc, bah, de quoi je pourrais pas. Ah oui, donc je vais parler des autres projets relatifs à ma chaîne, je pense. Bah, je vais en parler avant de faire un dernier mi-jeu, comme ça, ça sera le dernier mi-jeu tranquille. Alors, au projet Dessinons un Pokémon, je pense que je vais interrompre simplement parce que je n'ai pas de temps, j'ai fait que deux vidéos en plus, mais ça demande énormément de temps. Et puis, je n'ai pas de temps en ce moment, donc peut-être bientôt, mais ne vous en faites pas, je ne laisserai pas tomber, mais pour le moment, bah, je laisse un peu en suspens. Les vidéos Colosseum, je pense que je vais m'arrêter sur Stadium, tout simplement parce que j'ai moins de bugs sur Stadium et que toujours c'est un peu plus fun, je trouve. Et surtout intelligence artificielle AR quand même un peu plus intelligente. Je pense que c'est ce qu'il faudrait dire, ce serait le meilleur mot pour qualifier ça. Que sur Colosseum, donc voilà, ça peut être plus sympa. Donc je pense qu'il y aura encore des combats Colosseum, mais je pense plus des combats Pokémon Stadium. Et puis le projet Château des Dresseurs dont j'avais parlé, ça arrivera, ne vous en faites pas. Juste que je préfère garder un peu de suspense, enfin voilà. Donc on va passer au dernier jeu, je pense que j'ai fini avec mes petites annonces. Réflexez Vouilly, j'incarne donc Vouilly. Lorsque Capulin lève la boîte, appuyez sur le bouton fruit avec le bouton A, appuyez sur le bouton B pour faire une fin, tiens 5 et 7, ok. Alors ce jeu, il est pas mal je trouve. Il est assez chaud mais il est pas mal. Alors c'est de... Oh putain, oh. Waouh. Ah! Oh putain. Ça c'était le piège dans lequel il fallait pas tomber. Oh là putain, il est sadique ce mec. Ah ah ah! Je suis pas très bon de jouer en plus d'habitude, mais là je m'en sors bien, je vous avoue. Bon, je vais éviter de tomber sur des pommes de pique maintenant. Non, qu'elle soit. Ah ah! Bon, je m'en sors bien. Round 4, attention aux pommes de pique, on sait jamais, hein. Bon, je vais ramasser un peu. Bon, c'est les derniers rounds parce que les derniers rounds, il me semble qu'il y a beaucoup de trucs. Soit il y a pomme de pique. Ça, je vais éviter. Soit il y a plein de trucs. Allez, bon, roule-toi. Oh yeah. Ah, j'en ai ramassé pas. Ah, je pense que là, j'ai gagné l'argent. Je suis fier de moi. Donc 3 jeux sur 6, hein. Ah ouais. Ouais, bon, j'ai tout misé. Donc, je vous ai eu, je vous trahis. Nanana. Donc, bah voilà, 3 jeux sur 6, je m'en suis honnêtement mieux sorti que la première fois, bon. Et bah, je pense qu'on va se laisser là, hein, c'est sur cette image un peu de dévoué, gagnant, victorieux, face à l'adversité des pommes de pique et des autres évoluis, que je vais vous laisser, donc c'est la fin donc de mes deux vidéos spéciales sans abonnés, donc je vous remercie encore. Si j'atteins 100 abonnés, c'est peut-être parce que mes vidéos, bon, vous plaisent aussi, mais c'est surtout grâce à vous qui vous donnez de la peine à suivre mes vidéos. Donc voilà, je vous remercie encore, puis on se retrouvera, je pense, bientôt, hein, de toute façon, je vais pas m'arrêter là. Et puis, bah, voilà, j'espère que mon travail continuera de vous plaire. A plus, salut !